Lecture compréhension 1, unité 3. Mes apprentissages en français 5e AEP. Thème, les technologies de l'information et de la communication. Activité, lecture. Support didactique, livret de l'apprenant, page 90 à 91. Intitulé, Internet, avantages et dangers. Prudence. Commençons la lecture du texte maintenant. Internet est un outil formidable pour s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer avec les autres, ou jouer. Néanmoins, il faut apprendre à bien s'en servir et en connaître les dangers. S'informer, se documenter. Internet est un moyen très simple pour trouver des informations ou des documents sur n'importe quel sujet. Mais attention, demande de l'aide ou des conseils à un adulte quand tu fais ta recherche sur le web. Sinon, tu peux tomber par erreur sur un site dangereux ou malsain, incitation à la violence, au racisme. Méfie-toi des informations que tu trouves sur Internet, elles ne sont pas toutes vraies. Vérifie toujours les données que tu as trouvées sur un site en les confrontant avec celles d'autres sites ou des sources. Papier, dictionnaire, encyclopédie. Pense à aller chercher tes informations sur des sites institutionnels car ils sont plus sûrs. Respecte les lois. Ne télécharge pas illégalement des documents, images, sons. Communiquer, échanger, jouer. Internet permet à chacun de communiquer avec de nombreuses personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Il faut donc à la fois être prudent et respectueux. Protège ta vie privée. Ne divulgue pas d'informations personnelles sur toi ou ton entourage. Ne communique rien qui puisse t'identifier. Nom de famille, numéro de téléphone, adresse, date de naissance, photographie. Respecte les autres. N'écris ni moqueries, ni insultes, ni propos violents ou racistes. N'oublie pas que la vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle. Tu rencontres des gens, tu crées des liens, tu fais partie de réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens deviennent tous de vrais amis. Ne reste pas trop longtemps devant ton ordinateur. Certes, tu y fais des choses intéressantes ou amusantes, mais tu risques de t'isoler des autres. Répétons la lecture une autre fois. Internet est un outil formidable pour s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer avec les autres, ou jouer. Néanmoins, il faut apprendre à bien s'en servir et en connaître les dangers. S'informer, se documenter. Internet est un moyen très simple pour trouver des informations ou des documents sur n'importe quel sujet. Mais attention, demande de l'aide ou des conseils à un adulte quand tu fais ta recherche sur le web. Sinon, tu peux tomber par erreur sur un site dangereux ou malsain, incitation à la violence, au racisme. Méfie-toi des informations que tu trouves sur Internet, elles ne sont pas toutes vraies. Vérifie toujours les données que tu as trouvées sur un site en les confrontant avec celles d'autres sites ou des sources. Papier, dictionnaire, encyclopédie. Pense à aller chercher tes informations sur des sites institutionnels car ils sont plus sûrs. Respecte les lois. Ne télécharge pas illégalement des documents, images, sons. Communiquer,
Échanger, jouer. Internet permet à chacun de communiquer avec de nombreuses personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Il faut donc à la fois être prudent et respectueux. Protège ta vie privée. Ne divulgue pas d'informations personnelles sur toi ou ton entourage. Ne communique rien qui puisse t'identifier. Nom de famille, numéro de téléphone, adresse, date de naissance, photographie. Respecte les autres. N'écris ni moqueries, ni insultes, ni propos violents ou racistes. N'oublie pas que la vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle. Tu rencontres des gens, tu crées des liens, tu fais partie de réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens deviennent tous de vrais amis. Ne reste pas trop longtemps devant ton ordinateur. Certes, tu y fais des choses intéressantes ou amusantes, mais tu risques de t'isoler des autres. Répétons la lecture pour une dernière fois, mais un peu plus rapidement. Internet est un outil formidable pour s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer avec les autres, ou jouer. Néanmoins, il faut apprendre à bien s'en servir et en connaître les dangers. S'informer, se documenter. Internet est un moyen très simple pour trouver des informations ou des documents sur n'importe quel sujet. Mais attention! Demande de l'aide ou des conseils à un adulte quand tu fais ta recherche sur le web, sinon tu peux tomber par erreur sur un site dangereux ou malsain, incitation à la violence, au racisme, etc. Méfie-toi des informations que tu trouves sur Internet, elles ne sont pas toutes vraies. Vérifie toujours les données que tu as trouvées sur un site en les confrontant avec celles d'autres sites ou des sources. Papier, dictionnaire, encyclopédie. Pense à aller chercher tes informations sur des sites institutionnels car ils sont plus sûrs. Respecte les lois, ne télécharge pas illégalement des documents, images, sons. Communiquer, échanger, jouer. Internet permet à chacun de communiquer avec de nombreuses personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Il faut donc à la fois être prudent et respectueux. Protège ta vie privée. Ne divulgue pas d'informations personnelles sur toi ou ton entourage. Ne communique rien qui puisse t'identifier. Nom de famille, numéro de téléphone, adresse, date de naissance, photographie. Respecte les autres. N'écris ni moqueries, ni insultes, ni propos violents ou racistes. N'oublie pas que la vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle. Tu rencontres des gens, tu crées des liens, tu fais partie de réseaux sociaux, mais ce n'est pas pour autant que ces gens deviennent tous de vrais amis. Ne reste pas trop longtemps devant ton ordinateur. Certes, tu y fais des choses intéressantes ou amusantes, mais tu risques de t'isoler des autres. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention mes chers élèves, et à la prochaine vidéo.